bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Europa Universalis 4. Donc, on est tranquillement en train de faire notre guéguerre là-bas. Toujours. Où est-ce qu'il y a de la résistance? Bosnie, Serbie. Armée d'occupation. On va se pencher un peu dessus. Bosnie, on rajoute à la garnison. Bosnie. Serbie, là-bas. Bosnie, Serbie, Moravie. Ah, c'est là. Et Ceylan. Maintenant, je vous dirais théoriquement, vu la puissance de mes troupes de défense là, si on regarde un petit coup, combien elle a de suppression 13,9. C'est-à-dire que les mecs ils arrivent là, ils disent ouais mais non, en fait on va peut-être pas t'emmerder. D'ailleurs c'est très bien ça. En Inde, l'invasion, ouais, où est-ce qu'il y a besoin de carburant? C'est là-bas. Mais c'est quoi ces 30 unités? Putain, ce bordel, ils ont quoi comme ordre les 30? Les 30, ils ont... c'est un bordel là-bas. Oh, j'y comprends plus rien. Ça c'est quoi? C'est... ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Mes troupes de montagne, elles disent quoi? On exécute le plan là-bas. Là, on coule les convois russes. Je m'en fous des convois, moi je veux juste débarquer mes troupes ici. Ça me permet d'être d'être autonome. Ouais. Putain, c'est infâme. Prochaine étape, oui. Bon, ça c'est pas grave. Bosnie. Est-ce que j'ai une troupe? Mon armée d'occupation, elle est où? Ouais, ils vont là-bas. Ils y arriveront un jour. Futur proche. Le front russe. Excusez-moi. Priorité haute. L'Inde, priorité basse. La défense. Enfin, l'Inde, priorité haute, je veux dire, la défense s'en fout, honnêtement. Mais 10. On s'en fout, qu'ils soient massacrés, ils me servent à rien cela. C'est des pécores. Là on va finir de débarquer. Ensuite, notre gouvernement, on a 455 points. Lui c'est quoi? Militariste. Lui, politique, on s'en fout. Délifascisme, on va mettre plutôt infrastructure, construction de pidre. Ouais. Captain d'industrie, voilà. Voilà.
Precision Factory. Alors qu'on regarde un peu. Bref, ah oui, c'est ici, ça pue quoi. Merde. On en pause. Pour ravitailler ici, ça arrive par où? Ça arrive de là et ça remonte tout là. Ok. Ah oui, mais c'est autre pécor là-bas, il nous met pas de développement. C'est la merde. Ouais, c'est vrai que j'ai pas de lien entre les deux. L'Iran n'est pas en guerre avec eux. Ça pue ça. Military Factory. On va développer un peu ça. Voilà. Les Grecs, ça dit quoi? Ça dit qu'ils tentent de m'attaquer, que là-bas ils vont me prendre l'aéroport. Est-ce que les 24 ils peuvent déclencher un assaut? Ouais, ben déclencher l'assaut, et les 26 déclencher l'assaut aussi. Voilà, le but c'est de les... Ensuite l'armée d'occupation, l'armée de l'Inde, est-ce qu'elle a pu mettre un à débarquer? Pas encore. Ouais, les troupes de montagne. Les troupes de montagne, on émet les ordres, ligne de front, de là. Ah là, on laisse se replacer. Les troupes en carton, putain, ils font rien. C'est la dèche, quoi. L'Inde. Allez. Dès qu'on a débarqué. Dès qu'on a débarqué là-bas, je renvoie le reste des troupes. La recherche a dit quoi? 12 jours encore. Pour essayer de propeller l'artillerie. Ok, on a débarqué, donc eux, on les rattache à De Gaulle. De Gaulle, ligne de front, elle y est, parfait. On va rapatrier les troupes restantes. On va lui mettre une ligne de front qui va là, là, comme ça. Avec un ordre d'assaut, tu passes par la côte. Voilà, comme ça. On attend qu'il se prépare, que ses troupes soient arrivées. Voilà, il y allait. Bon, bah c'est parfait. On attend qu'ils arrivent. L'Espagne, non, je veux pas de tes troupes. Lui, il va me couler les convois. Les convois, très bonne nouvelle. Ensuite, donc mes sous-marins qui sont là. On va s'occuper de Bornéo. Donc, eux, mission, convoi de raiding. On va rajouter ça, ça, ça. Ah merde, je peux pas, ça fait trop. Donc, on va même. On va enlever celui-là. On va faire du convoy raiding. Ils peuvent avoir des renforts par là et par là. Pourquoi pas par là? Parce que là je contrôle le port. On va choper ce point là. Pensant là, on va se faire plaisir. Ici j'ai coulé du convoi. Voilà. Là il y a De Gaulle, les troupes sont en train d'arriver. On attend qu'ils soient en place. Là il va me dire je suis pas prêt, mes troupes ne sont pas encore en place. Ennemi est inférieur, les divisions se préparent.
On attend que ça arrive. Ici, ça importe niveau combien. On va, ce qu'on va faire, on va booster un peu l'économie. Naval Dockyard ou Naval Base. Non, Naval. Non, c'est où le port? Naval Base. 3000. Ah ouais, ça fait quand même cher. Ok, on le met en priorité absolue. Voilà, De Gaulle, hop, on exécute le plan. Mais troupes de montagne, ça dit quoi? Ligne de front. Hop. On attend qu'ils me disent que l'ordre est bon. En Grèce, ça dit quoi? Putain, c'est la merde, j'ai pas de chasseur. 516 km. Est-ce que j'ai des chasseurs qui traînent? Non, j'ai pas de chasseur. Putain, c'est la dèche. C'est la merde, en fait, j'ai fait trop de trucs de trop de côtés différents. On va s'occuper de notre armée en... Pourquoi il va là-bas, lui? Je vais pas d'y aller. Ensuite, tour d'artillerie, on en tire, infanterie, équipement, on en tire, support d'équipement. Putain, les light tanks, on est à la rue, quoi. Ils en ont 12 000. Voilà. Industrie. Production. Là ici on va retomber à 5. Les light tanks 3 à 3. Série A. Oh, il m'en faut une autre série quoi, merde. Armorée de véhicule, mais ils me font une self, propeller l'artillerie. Et une light tanks 3 série A. Est-ce que. Ouais non. Donc lui. Hop. Hop, on aura plus de fait de les faire comme ça. Ça on met tout en haut. On met tout en haut. Tout en haut. Les motorisés, on va les remonter un petit peu. L'artillerie, on monte aussi un petit peu. Self-propel artillerie, on les met en priorité. Ceux-là, on les met là, ouais. Ensuite, on va éditer l'infanterie motorisée. On va leur rajouter de l'armorée de bataillon self-propel artillerie. Et je pense que là, ça va être bon. Matwiz plus 3. Ah merde. Matwiz, merde, 24. Oui mais non. 22. Light tanks. Light tanks. Soft attack. On perd de tout. Ouais. On va les sauvegarder comme ça. Voilà. Et c'est des... Ouais, donc maintenant, là, on va reprendre les marchandises dont on a besoin. Ok, ça se passe plutôt bien. Par contre, ce qui est marrant, c'est chaque partie qu'en fait on joue, enfin entre les différentes parties, j'améliore mon niveau de jeu. Donc je vois des trucs, je me dis, mais putain, pourquoi j'ai fait ça? J'ai pas les rincés suites pour m'étendre sur 25 provinces en même temps, j'aurais dû me contenter de faire de la du monoprovince, quoi, de l'OPM.
Mais non, je suis un grand malade, moi. Donc là, ça avance tranquillement. Mes troupes de montagne. Oh là là, eux ils ont aucun ravitaillement quoi, c'est infâme. Putain, on est en terrain, on n'a pas de ravitaillement, on a du ravitaillement de nulle part. C'est catastrophique. On va l'avancer là. Là-bas. On va là-bas. Là-bas. Ils vont là-bas. Ouais, bon, on va passer en mode micromanagement. Là, les mecs, ils font rien, quoi. Ah, c'est qu'il n'y a pas de ravitaillement, il y a trop de troupes pour le ravitaillement que la province peut produire. C'est-à-dire qu'ici, si on regarde, il y a combien de ravitaillement? Required 30 et rien, il n'y a pas de ravitaillement qui vient, quoi, c'est affreux. Est-ce que je pourrais demander au Japon du territoire? Ah non, il y a trop de territoire, il me faudrait trop de territoire. Là, l'Iran, la Turquie. Ah, mes renforts arrivent. Mon ravitaillement, il arrive par où pour aller là-bas? Ça vient par là. Ouais. Et les infrastructures, elles sont quoi? Elles disent quoi? 3, 1. Ah ouais, non, mais c'est du tout pourri comme territoire. Portugal est là-bas. Ouais, bah en fait, limite, je voulais presque. Voilà, là-bas, on les repousse. On va prendre le port. Il y a un port là, prochain port il est où après? Là et là. Oh putain ils sont loin quoi. Donc là faudrait faire un mouvement en ligne. Ensuite de là une projection diagonale. Oh ce bordel pour prendre l'île. Mais est-ce que je vais avoir assez là avec mes 18 troupes qui sont même pas des troupes françaises? Non, c'est des troupes à la base comme je te pousse. Eux j'ai envie de les dégager. Ils me saoulent. Je vais les dégager, mais ils me servent à rien. Dégagez les pécores, vous êtes complètement useless à part me bouffer des ressources et servir à rien du tout. Voilà. Mon armée d'Inde, je suis sûr que pareil, c'est même pas une armée à moi ça. Oui, voilà, c'est pas de l'armée à moi. J'ai quoi comme armée à moi en fait? J'ai mes troupes de défense. Donc en fait, j'ai des troupes de défense qui servent absolument à rien. Mais on va se faire une autre armée. Donc, recruter un déploy. On va les faire se déployer. En Provence, on va leur fourguer un nouveau général. On va leur mettre. Ils ont qui en général les pécores? On va leur mettre Jean de Lattre de Tassigny. Les troupes déployées affectées à Jean de Lattre de Tassigny. Non, ils veulent pas. Parce qu'il est en France, bon, ben, c'est pas grave. 3. Il leur manque quoi? Des light tanks et self-propelled artillery. Oui, mais déjà on va. Naval Selector Pedo Tactics. Ici. S'occuper de ça, les chasseurs on est pouf, on s'en fout, la flotte on s'en fout, l'infanterie on va booster un peu notre troupe en anti-tank.
Et c'est la fin de l'épisode. Donc voilà, on va arrêter l'épisode là. Donc sur ce, ben, je vous dis ben, bye bye. À la prochaine, à plus. Allez, ciao.